vous travaillez avec qui au niveau de résistants locaux Avec Thomas, Thomas. Armel Thomas, et puis Instituteur, oui, enfin, Raymond, Raymond Louis, Raymond Louis, oui. Raymond Louis qui est là pratiquement tous les soirs à faire des faux papiers avec mon père. Et c'était mon instituteur en même temps, puisque j'étais dans sa classe. En classe, c'était même gênant, parce que le père Louis, on l'appelait comme ça, le père Louis, et il m'appelait, et puis et il me parlait à voix basse, alors que toute la classe était là, et puis il me donnait un papier. Mais en plus, il lui dit. C'était pas facile, tout ça. En plus, il lui disait, t'as intérêt à bien travailler parce que tu sais que je connais ton père. On a trempé de temps, hein, obligatoirement. Hein. Il portait des messages avec son vélo. Ah bah, entre Raymond Louis et mon père, entre Raymond Louis et Thomas, et je faisais plus le coursier que l'écolier à l'époque. Hein. J'étais dans sa classe. Hein, j'étais en classe de certificat d'études, puisque c'était j'avais 13 ans, donc c'était en 43. Et à chaque fois qu'il y avait un mot, il n'y avait pas de téléphone à l'époque, puis quand même, le téléphone, il l'utilisait, il y en avait, oui, bien Oui, sûr, mais c'était surveillé, mais c'était. c'était surveillé, et ce n'était pas comme il y a maintenant des téléphones à tous les logements, quoi. Et le courrier, je le mettais dans ma chemise, je le mettais, c'était jamais à la main, quoi. Hein. Ou dans le guidon de ton Oui, vélo. ben ça, c'était quand on partait à l'extérieur. C'est moi qui ai ouvert la porte le matin, là, en Ah français, tu m'en souviens, oui. On se levait de très bonne heure à l'époque, le soir on se couchait pas tard, on n'avait pas de télé, on n'avait pas de tout ça. Hein. Et puis, comme un môme, quoi, j'avais 13 ans, j'ouvre la porte sans regarder, sans voir dehors. Et il y avait un Allemand qui était là, qui était en sentinelle le long de la porte, mais pas de la porte, à À côté. côté. On le voyait. La porte étant vitrée dans le couloir, on ne le voyait pas. Et quand j'ai ouvert, il s'est présenté. Le fusil à la main, et il m'a fait faire de mes tours. Et papa, j'ai appelé papa, il y a les Allemands, et il pouvait rien faire, quoi. Hein. Je me souviens qu'elle a ouvert, il devait être par ici, dans le bureau, certainement, dans le bureau était là, et il est venu jusqu'à la fenêtre, et il a ouvert la fenêtre, il a penché la fenêtre, et il y avait déjà Du un monde. Allemand qui était en sentinelle, Il là. comptait, là. Et donc, il a pas pu s'échapper, c'était pas possible. Dans la région, la porte de façon est encore à franchir.